Yeah, bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Une courte vidéo que je vais nommer mise au point. Parce que je pense qu'il faut faire cette vidéo parce que pas mal de personnes croient que c'est la fin de Blabla Linux. Mais Blabla Linux, c'est plus qu'une chaîne YouTube. Oui, parce que si vous ne le savez pas, Blabla Linux a arrêté de diffuser sur YouTube. Ouh, le drame! Eh bien non, je peux vous dire que ça fait du bien. Voilà, il fallait arrêter, c'était plus possible. Pour moi, YouTube, pas simplement, je parle pas uniquement de Linux hein, sur YouTube, je parle en général. YouTube est contaminé. C'est contaminé. Pour moi, c'est un des réseaux social le plus contaminé. Eh bien oui, parce que malgré ce que l'on pourrait croire sur Facebook, je n'ai quasi jamais eu de soucis. Et s'il y en a, c'est beaucoup plus facile de les gérer sur Facebook. C'est même, comment je vais dire, c'est du recta. Voilà. Et sur le blog, même chose. Là, c'est même pire. Je n'ai jamais, jamais, jamais eu de soucis. Donc, pour ne pas que certains croient que les vidéos ont totalement disparu et que c'est idiot parce que c'est une mine d'informations, non, c'est fini, la chaîne YouTube ne réouvrira pas, c'est définitif. Voilà, ceux qui me connaissent bien savent que quand je dis, souvent je fais, et quand j'ai fait, souvent je ne reviens pas en arrière. Je l'avais déjà fait avec ma chaîne AnyComputer qui avait plus de 6000 abonnés ou pas loin. Voilà, je l'ai fait, c'est tout. Donc je pense que personnellement, donc la chaîne Blabla Linux sur YouTube est fermée. Blabla Linux ne reviendra pas sur YouTube, mais personnellement, moi-même, je pense que je ne reviendrai, enfin, jamais sur YouTube. J'ai encore une autre chaîne sur YouTube, mais bon, je pense que je vais sceller son sort également, à voir. Mais bon, en attendant, on parle de Blabla Linux, donc le groupe. On est sur le groupe. Les vidéos n'ont pas disparu, hein. D'ailleurs, je vais vous montrer la chaîne. La chaîne, la voici. Voilà, il n'y a plus qu'une vidéo, celle qui dit au revoir. Sinon, il n'y a plus rien du tout. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais faire ceci pour bien vous montrer. Voilà. Voilà, si vous arrivez sur la chaîne, il n'y a plus rien. Si on va dans vidéo, voilà, playlist, voilà, chaîne, voilà. Et à propos, voilà. Mais tout le contenu est bel et bien présent. La preuve, je suis sur le groupe. Blabla Linux, le groupe Facebook. Je vais utiliser, je vais faire appel au hashtag BBL Ubuntu. Voilà. Et certains diront encore que les hashtags ne sont pas utiles. Alors, il faut que je descende, parce que ça, c'est bel et bien une vidéo, mais hébergée sur Facebook. Je descends, je descends, je descends, je descends. Ah, ben voilà. Plus de 120 applis ouvertes. Cette prouesse, c'est Linux qui la signe. Vidéo à Nicomputer. Ah, ben regardez, en plus, c'est une vieille vidéo. Regardez, il n'y a pas de souci. Donc, les vidéos sont bien accessibles. Alors, et donc ici, ben, je suis sur le groupe. Peu importe, à partir du moment où les vidéos ont été partagées, quelque part, elle reste accessible. La preuve, bah, sur le blog. Ben voilà, regardez, mes vidéos sont là. Y a aucun souci. Quelqu'un se plaignait. C'est génial, il y a un article avec Samba, mais on n'a plus accès à la vidéo. Où il est cet article? Où il est cet article? Je vais le retrouver plus bas, hein. Ouais, non, bah alors on va utiliser la recherche. On va faire
Samba ou SMB. Voilà. La vidéo va arriver. Voilà. Alors vous pouvez vous rendre sur YouTube, hein. Il n'y a pas de souci, la vidéo est là. Les vidéos sont en non répertorié. Maintenant, vous ne pouvez plus laisser de pouces haut ni bas et vous ne pouvez plus commenter. Terminé. Vous avez toujours accès à la description. Alors certains vont dire, ben oui, mais c'est bien, d'accord, les vidéos restent accessibles. Là où elles ont été partagées, là où on a balancé les liens. Mais pour avoir accès à tout le contenu qui était disponible, il n'y a pas de souci, le contenu est disponible. À ce moment-là, je vais faire ceci, à ce moment-là, vous vous rendez non pas sur le groupe Blabla Linux, mais sur la page. Attendez, je vais mettre un peu d'ordre. Sur la page Blabla Linux, qui se présente comme ceci pour vous. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? YouTube. Il y a un onglet YouTube. Voilà. Je clique. Et là, il y a une vidéo qui est mise en avant par moi. Je modifie ça comme je veux. J'ai décidé de mettre Nulloy Music Player. Et on a accès. Évidemment, il n'y a pas de playlist, il n'y a rien. Mais on a accès à la totalité des vidéos disponibles sur ma chaîne. Ok ? Ça ne s'arrête pas là. Load more. Et voilà. Et on peut remonter ainsi aussi loin que l'on veut, même jusqu'au début de la chaîne. Alors, comment ça va ? Je vais par exemple... allez, je vais choisir Fedora. Je clique, je remonte plus haut. Hop. Ah, faut patienter peut-être. Ah, c'est un petit bug. C'est un petit bug, ça l'a fait l'autre fois. On patiente. Allez, celle-ci. Voilà. Alors, on a accès à la description de la vidéo. Ok, vous pouvez, donc sur Facebook, vous pouvez commenter. Vous pouvez partager cette vidéo sur votre journal, sur votre page, mettre un j'aime. Alors, vous pouvez de nouveau vous rendre sur YouTube pour visionner cette vidéo. Vous pouvez obtenir le lien, l'URL. Clic droit, copier l'URL de la vidéo. Copier l'URL de la vidéo à partir de cette séquence. Copier le code d'intégration. Il n'y a quasi rien qui change. Maintenant, vous voyez, le menu contextuel, quand j'ai fait un clic droit, quand la vidéo a déjà démarré, ne sera pas le même que si vous faites un clic droit et que la vidéo n'a pas encore démarré. Je vais vous montrer ça de suite. C'est un peu lent, mais c'est normal. Je suis en train d'installer une VM Windows 10. Donc, ça pompe un peu de ressources. Peu importe, regardez, clic droit, et là, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, ben là, vous arrivez où ? Sur YouTube, et vous avez le lien, de toute façon, de la vidéo, vous pouvez partager la vidéo, hein, voilà, vous pouvez partager la vidéo, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'intégrer, voilà, mais la chaîne en elle-même sur YouTube est toujours là, mais vous n'avez plus accès à aucune vidéo. Je ne veux plus avoir affaire, c'est malheureux, hein. J'allais dire c'est malheureux de mettre tout le monde dans le même panier. Non, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a de chouettes personnes, mais elles deviennent très rares. Elles deviennent très rares. Je pense personnellement que voilà, c'est un problème d'éducation, tout simplement. C'est un problème d'éducation. Il n'y a quasi plus, voire
j'allais dire, il n'y a quasi plus d'éducation, voire dans certains cas, l'éducation est inexistante chez certaines personnes. Je pense. Ouais. Je pense même que beaucoup de personnes s'ennuient et passent leur journée sur YouTube, c'est leur terrain de jeu. Voilà, mais pour d'autres, c'est pas un terrain de jeu. Et encore pour d'autres, d'autres travaillent la journée et passent vite sur YouTube pour proposer un peu de contenu, un peu de partage. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bye bye et la prochaine vidéo. Ah ouais. Donc je précise, les prochaines nouvelles vidéos donc seront publiées sur la page Facebook. Uniquement. Et si je dois écrire un article sur le blog et y intégrer une vidéo comme je le fais de temps en temps, eh bien la vidéo proviendra de sera intégrée grâce à la page Facebook. Voilà. Sur ce, je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.